Gloire au nom de Jésus. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, nous n'allons pas lire particulièrement un passage. En fait, j'étais en train de chercher un passage qui montrerait la grandeur de Dieu dans nos vies. Et je ne vais pas dire Dieu m'a dit, mais j'ai eu le sentiment que chacun de nous ici présents a vécu une expérience personnelle avec le Seigneur. Chacun de nous ici sait d'où est-ce que Dieu l'a tiré et où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Chacun de nous ici sait les miracles et les combats que Dieu a eu à mener pour lui. C'est pourquoi j'aimerais que nous fassions une introspection et que nous réalisons nous-mêmes la grandeur de Dieu dans nos vies. Et que nous lui donnons l'adoration et l'acclamation à la hauteur de ce qu'il est dans nos vies. Amen. Et que nous puissions pousser des cris de joie à la hauteur de ce que Dieu est dans nos vies. La grandeur de l'éternel dans la vie dans nos vies. Et que le combat que Dieu a mené pour nous, c'est mieux qu'il a eu à faire dans nos vies. Dieu est grand, Dieu est puissant. Alléluia, alléluia. Comment que nous continuons à ce que nous avons fait à l'adoration. Je viens pour te dire.
Thank you.
Hallelujah. Hallelujah. Merci, Seigneur Jésus. Hallelujah.
Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont contents derrière la présence. Alléluia. Alléluia. Que tu peux exprimer ta joie avec le Seigneur. Seigneur, je suis content de la présence. Je suis content de la présence. Je suis content de le sentir. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Bienvenue à la maison du Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Pour une excellente semaine dans le Seigneur. Amen. Alléluia, waouh, c'est comme s'il n'y avait que trois personnes qui étaient d'accord. Une excellente semaine dans le Seigneur. Amen. Alléluia. 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 N'attends pas que le Seigneur te donne une voiture avant de commencer à le louer. Amen. Écoute, même si tu ne vois pas encore, loue déjà le Seigneur. Alléluia. Juste louer le Seigneur. Alléluia. Ne t'attends pas le plus avant de célébrer. Faiblesse par la louange. Écoute, juste loue le Seigneur et pas de langue de parole. Juste loue le Seigneur sans que le Seigneur te porte. Alléluia. Parce qu'il a tout l'opportunité de nous amener à son de santé. Quand nous louons le Seigneur, alléluia, que les anges de nous sont en paix. Je ne sens pas de combat pour les séries de nos maladies. Nous délivrons de tous nos problèmes. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, je ne voulais pas le dire, mais il faut que je le dise. Souvent, je suis juste frustré quand je vois ces adorateurs de sport, ces adorateurs des célébrités. Et comment ils passent des heures et adorer ces choses-là. Et souvent, ça me donne juste l'envie de, d'adorer le Seigneur plus longtemps que. Parce que notre Dieu est digne de moi. Notre Dieu est digne de moi. Écoute, le fait que tu sois ici ce matin, c'est une preuve que Dieu est digne de moi. Le fait que tu ne sois pas dans un bar quelque part, ou bien sous l'influence de la drogue, ou de l'alcool, ou de toute forme d'autres choses toxiques, c'est parce que tu es bon que tu es là ce matin. Alléluia. Alors, laissez-moi louer le Seigneur. Alléluia. Et nous avons bienvenu aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Nous avons fait les annonces pour la semaine qui s'en vient. Pour cette semaine, nous rendons d'abord grâce au Seigneur pour la semaine dernière. Nous avons eu la réunion de district et on a eu notre surintendant de district qui en même temps le surintendant de le coordonnateur des missions nord-américaines. Il est venu et il a porté la parole de Dieu. Nous avons été énormément bénis par son message. Amen. Et également, nous avons eu à avoir des réunions. La réunion, on va dire réunion d'affaires, comme on le dit, et on nous a donné les chiffres en ce qui concerne le réveil ici au Québec. Et laissez-moi vous dire que il y a le réveil au Québec. Il y a le réveil. Pendant longtemps, le Québec semblait être un endroit aride où les gens ne voulaient pas servir Dieu.
Mais laissez-moi vous dire qu'ils sont en train de venir. Les gens ont soif présentement. Et ça va prendre plus d'ouvriers. Amen. Tout avec ton voisin, dis-lui, je vais être un ouvrier. C'est ça, ne pointe pas vers ton voisin, pointe vers toi-même, je vais être un ouvrier. Alléluia. Je vais servir le Seigneur parce que la moisson est blanche. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il va faire. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Mais pour cette semaine qui s'en vient, d'abord tout à l'heure à Saint-Laurent, à 13h30, également à 18h30, il y a des services. Donc si vous êtes disponible, vous pouvez vous joindre à nous pour avoir un autre service avec nos frères et sœurs de Saint-Laurent. Mais pour la semaine, mardi, nous avons évangélisation. Amen. Évangélisation, c'est pour. C'est ça, c'est encore au collège Hanté. On va se réunir ici, on va prier et on va tous aller ensemble pour ceux qui vont venir au collège Hanté pour prêcher la bonne nouvelle. Et jeudi, nous allons continuer avec notre étude biblique du milieu de semaine. Nous faisons les pierres de fondation présentement. Et nous avons déjà touché la première pierre, la Bible, la parole de Dieu. Deuxième pierre, l'unicité. L'enseignement selon lequel il y a un seul Dieu. La troisième pierre, le salut. Amen. Le salut. Et nous avons parlé du salut. Et le salut, on a vu la première église, ce n'est pas l'église orthodoxe. Amen. La première église, c'est l'église des apôtres. L'église apostolique. L'église des apôtres. Et c'est eux qui ont établi la fondation en ce qui concerne le salut. Et aujourd'hui, si nous voulons être sauvés, nous devons faire comme ils nous ont dit, selon Actes chapitre 2, verset 38. Repentance, baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Parce que c'est quand on se baptise qu'on obtient réellement le pardon de nos péchés. Avant cela, le pardon n'a pas été vraiment accordé parce que ça prend le baptême. Et la troisième chose, le baptême du Saint-Esprit. Et avec la preuve, parce que Dieu veut qu'on ait la preuve quand on le reçoit, qui est l'évidence par les grands autres là. Mais cette semaine, nous allons toucher à la prochaine pierre de fondation. Et je ne vais pas vous donner le titre, ça va être une surprise. Ça va être une surprise. Donc venez, dis à ton voisin, viens. Et nous allons être bénis par la parole et l'enseignement de la parole du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Et vendredi, nous n'aurons pas le service des jeunes comme d'habitude à l'Est. Parce que ce vendredi, c'est un vendredi spécial. Nous avons notre veillée de prière. Amen. On va être à partir de 22h30. Donc, quand vous finissez, retournez peut-être à la maison. Reposez-vous un peu. Dormez un peu si vous pouvez. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un pawana. Parce que quand j'ai entendu parler du pawana, c'est ça. Alors on dit que si tu réussis à dormir environ juste 3 heures de temps, je crois que c'est ça, ou bien d'autres 30 minutes, ou bien 3 heures, c'est bon. Parce que si tu débordes, si tu fais peut-être une heure, ben, tu vas rentrer dans un autre cycle du sommeil et tu seras plus fatigué qu'avant que tu ne te couches. Donc tu peux faire 30 minutes, mais si tu as du temps, 3 heures, pas 3 heures et demie ou 4 heures, 3 heures. Et quand tu vas te réveiller, tu vas être en forme pour venir à la veillée de prière. Amen. Et donc, ça va être à partir de 22h30 jusqu'à ce que le Seigneur nous relâche. Mais je peux vous garantir que vous n'allez pas vous ennuyer. Amen. Parce que la présence du Seigneur, tu peux la ressentir dans les airs. Amen. 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 Gloire au nom du Seigneur. Et comme d'habitude, le samedi, nous aurons nos prières habituelles de 19h à 21h à l'église de Saint-Laurent et à l'église de l'Est. Et vous pouvez aller à l'un ou à l'autre, mais allons prier. Amen. Gloire au nom du Seigneur. On va tous se lever et on va aller vers le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Le frère Guy Anol va prier pour les dîmes et les offrandes. Prions ensemble. Éternel mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci Seigneur pour ta forte présence en ce lieu. Je te rends grâce éternel pour ta grandeur dans nos vies. Nous venons humblement vers toi à t'apporter nos dîmes et nos offrandes. Bénis-les, Seigneur. Bénis tes enfants ici présents. Continue de pourvoir à nos besoins. Accepte ces offrandes pour l'avancement de ton œuvre et pour la seule gloire de ton nom. Que la famille dise au nom de Jésus. Seigneur, avant que les enfants ne descendent, vous pouvez vous asseoir. Avant que les enfants ne descendent, on va d'abord s'asseoir. Il y a quelque chose en fait que je devais partager.
la semaine dernière, mais je n'ai pas eu le temps de faire. Après, Yannick, est-ce que tu pouvais m'écouter? Globalement, on l'avait fait à Saint-Laurent. Ça, en fait, c'est, on appelle ça sauvons nos enfants. C'est la promesse sauvons nos enfants. En fait, chaque année, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on le distribue à chaque adulte. Et ça, c'est pour le ministère des enfants. Parce que nous avons un ministère des enfants. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent récemment, on avait eu la croisade des enfants à Saint-Laurent. Il y a plusieurs enfants. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent. Nombre d'enfants qui ont reçu le don du Saint-Esprit. Mais on a eu beaucoup d'enfants qui ont reçu le don du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, tu peux le recevoir très, très jeune. Très jeune. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux adultes, mais des enfants. Il y a des enfants de 5 ans qui reçoivent le don du Saint-Esprit. Et lors de la croisade des enfants, d'habitude, nous avons un prédicateur qui est invité et nous organisons des choses. Et il vient, il prêche la parole de Dieu. Et c'est vraiment des prédicateurs d'habitude qui sont très sensibles de comment parler aux enfants. Ils ont la méthode de l'onction pour cela. Et les enfants écoutent et les enfants sont remplis du Saint-Esprit. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites avec l'école du dimanche également. Et vraiment, ceci qu'on appelle le programme Sauvons nos enfants. Le programme Sauvons nos enfants, globalement, c'est un programme où on s'engage. Ça dit ici, mon engagement personnel. Je prierai pour que tous les enfants soient sauvés. Je prierai pour chaque enseignant de l'école du dimanche, chaque ouvrier et chaque évangéliste. Et sûrement, les enseignants de l'école du dimanche ont besoin de nos prières. Amen. Vous savez, ne donnez pas juste vos enfants aux enseignants de l'école du dimanche, mais priez pour eux également. Amen. Priez pour que le Seigneur le donne la direction. Et soyez à l'écoute. Vous savez, souvent, allez demander à l'enseignant comment se porte mon enfant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui devrait être amélioré? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire à la maison avec lui? Parce que l'erreur que nous, parents, on fait souvent, c'est qu'on va abandonner nos enfants entre les mains de quelqu'un, peut-être l'école du dimanche ou bien même à l'école. Et on ne fait pas de suivi par rapport à ça et cela n'est pas correct. Donc, on s'engage à prier. Et par la suite, je participerai à la hauteur de tel montant pour l'offrande selon nos enfants qui sera remise à mon église locale le 21 avril 2019. Et globalement, nous voulons donner à cette cause. Et quand nous donnons à cette cause, c'est utilisé afin qu'il y ait un ministère pour les enfants. Vous savez, présentement, les enfants sont très sollicités par le diable. Si vous regardez, ça a toujours été comme ça. À la naissance de Jésus, on a voulu le tuer avant qu'il ait l'âge de 2 ans. Moïse, quand il est né, on a voulu le tuer très rapidement. Et aujourd'hui, le diable, il veut inculquer des choses très petites dans le cœur de nos enfants, de telle manière à ce que plus tard, ils vont grandir, ils ne servent pas Dieu. Mais nous devons investir dans nos enfants. Amen. Alors, je vais vous laisser ceci et vous allez prier par rapport à cela. Et que le Seigneur va vous mettre à cœur de donner, vous allez l'écrire sur ce bout de papier. Et comme ça, le dimanche prochain, vous pourrez juste, l'autre bout de papier, vous pourrez juste le remettre dans le plat de l'offrande. Et vous aurez jusqu'au 21 avril pour donner ce que vous voulez donner pour la promesse sauvant nos enfants. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Donc, on va tous se lever alors que les enfants vont aller dans le sous-sol pour l'école. On va se tourner, serrer la main de 2-3 personnes. Jean. Alléluia.
Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous servons un très grand Dieu. Je veux dire à quelqu'un qu'il est au contrôle de toutes choses. Il n'y a rien qui échappe de son contrôle. La meilleure chose que tu as prise comme décision dans ta vie, c'est de donner ta vie à Dieu. C'est dès le moment que tu lui as confié une chose. La Bible dit que ce qu'on lui confie, il ne va jamais le perdre. Il va le garder jusqu'à son retour. Jean chapitre 11, verset 9. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Jean chapitre 11, verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, que quelqu'un dise marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Amen. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message. Marche pendant le jour. Amen. Marche pendant le jour. On va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Jésus, nous te louons et nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Papa, nous voici, Seigneur, alors que nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous avons donné. Et nos oreilles, Seigneur, sont prêtes à recevoir ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Oins-moi le prédicateur, afin que je transmette, Seigneur, ta parole exactement comme tu veux qu'elle soit transmise. Papa, oins-nous tous ensemble afin que nos oreilles soient attentives, que nos cœurs soient réceptifs, que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Au nom de Jésus, si l'Église de Dieu peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous avoir. Dans le livre de Jean, quand tu étudies ce livre, tu réalises que le mot « heure » est beaucoup mentionné. En fait, le livre de Jean, ça a 21 chapitres. Et quand tu cherches le nombre de fois qu'apparaît le mot « heure », c'est 24 fois. Donc, dans 21 chapitres, tu as 24 fois qu'on parle de « heure ». Ça fait plus qu'une fois par chapitre. Amen. Et le mot heure, c'est très très important. Et quand tu regardes, c'est parce que Jésus, vraiment, il était conscient de l'heure. Il était conscient du temps. Et dans Jean chapitre 2, verset 4, alors que sa mère lui demandait de faire un miracle, de transformer l'eau en vin, ce qu'il a finalement fait. Mais avant de le faire, Jean chapitre 2, verset 4, Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Il disait, l'heure pour que je commence à faire le miracle, ce n'est pas encore venu. Il y a une heure précise pour cela. Il y a un temps sélectionné pour cela. Mais ce n'est pas encore le temps. Et si tu étudies, je ne veux pas toutes les lire, les fois qu'on voit heure, mais je vais toucher certaines fois. Jean chapitre 7, verset 30. On dit que les gens essayaient de saisir Jésus. En fait, on voulait le saisir. Il y a plusieurs fois où on essaie de le saisir pour le lapider. Mais ça, c'est une fois où on essaie de le saisir. On dit, il cherchait donc à se saisir de lui. Et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Vous savez, plusieurs fois, ils ont essayé. Mais ils n'ont pas réussi parce que son heure n'était pas encore venue. Et ça, c'est un message. Ça c'est peut-être une parenthèse, mais peut-être quelqu'un va bénéficier de cela. Écoute, arrête d'avoir peur. Arrête de vivre dans la crainte. Dieu connaît l'heure à laquelle tu te trouves. Et si l'heure n'est pas arrivée, même une bombe atomique ne peut pas te tuer. Parce que c'est Dieu qui contrôle notre horloge de vie sur cette terre. Amen. Et lui, son heure n'était pas encore venue. Mais Jean chapitre 12, verset 23, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc là, il dit, maintenant, voici l'heure.
Parce qu'on doit réaliser que Jésus, la mort de Jésus, ce n'était pas un assassinat ou bien un meurtre, mais sa mort, c'était un sacrifice. Quand l'heure est venue, lui-même, il s'est donné en sacrifice. Amen. Jean chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Tu vois? Il dit, l'heure est venue. Et on doit vraiment comprendre que Jésus regardait l'heure. Jésus était conscient de l'heure. Et nous, comme enfants de Dieu, on doit être conscient de l'heure. Amen. Vous savez, souvent, on va vivre notre vie sans vraiment être conscient de l'heure. Et aussi bien la vie séculière que la vie spirituelle. Parce que souvent, dans la vie spirituelle, il y a des gens qui ne considèrent pas l'heure. Surtout bon, ceux qui viennent d'Afrique comme nous. Souvent, on dit que la fête commence à telle heure. Mais les gens arrivent une heure, deux heures après. Mais quand l'heure est passée. Amen. Et même dans notre vie spirituelle, on doit réaliser qu'il y a une heure pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Écoute, nous devons avoir une heure de prière. Amen. Tu dois avoir une heure de prière. Ne te dis pas que tu vas prier quand, quand tu vas ressentir qu'on prie. Parce que le diable peut jouer avec ces choses-là. Et tu ne vas pas prier finalement. Nous devons avoir une heure de prière, une heure pour lire la parole de Dieu. L'heure à laquelle j'arrive à l'église. On arrive à l'église le dimanche à... Ça, c'est l'heure d'arriver à l'église. On doit avoir une heure à laquelle on doit se consacrer à certaines choses. Une heure pour étudier la parole de Dieu. Nous devons vraiment être conscients de l'heure. Parce que quand tu regardes, Jésus était conscient de l'heure. Ecclésiaste 3, verset 1 à 4. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Parce qu'au-dessus des cieux, aux cieux, là, il n'y a pas un temps. Il n'y a plus de temps là-bas. Mais tant qu'on est sur la terre, il y a un temps. Amen. C'est souvent, tu vas demander à quelqu'un, mais on devait se voir à telle heure. Il dit, ah, mais tu sais, pour Dieu, il n'y a pas de temps. Mais sur la terre, il y a le temps. Quand tu manques le temps, quand tu manques l'heure, ça cause des problèmes. Amen. Il dit, sous les cieux, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Et il continue. Mais globalement, ce qu'il est en train de dire, c'est que nous devons être conscients du temps. Tu sais, il y a un temps où nous devons être en train de prier. Il y a un temps où nous devons être en train de fraterniser. Il y a un temps où on va se divertir. Mais nous ne pouvons pas laisser notre vie juste aller de telle manière. Nous devons vraiment être conscients du temps. Parce que ceux qui ne sont pas conscients du temps vont manquer des opportunités. Si tu n'es pas conscient du temps, tu vas manquer des opportunités. Aussi bien dans ta vie séculière que dans le spirituel. Parce que, écoute, si tu n'es pas conscient du temps, on te dit, ok, tu dois venir à ton entrevue de travail à telle heure. C'est si tu arrives en retard, et ça c'est la pire des choses, arriver en retard à son entrevue. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais moi ça m'était déjà arrivé. Bon, le problème c'était à cause d'un taxi. J'avais pris le taxi, mais j'ai eu un problème en route. Mais là j'ai réalisé en fait que peut-être j'aurais dû prendre le taxi là plus tôt. Et j'ai fait confiance au taxi. parce que quand tu manques le temps, tu vas manquer l'opportunité. Et même dans le spirituel, Dieu travaille avec le temps. Amen. Dieu travaille avec la saison. Il y a une saison particulière où Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et tu dois être conscient de cette saison-là et te saisir de l'opportunité dans la saison. Et je vais te dire quelque chose. Écoute, si tu es dans la maison de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu savait que tu allais être là aujourd'hui. Et Dieu a prévu de te parler aujourd'hui et de t'amener dans une autre dimension. Sois conscient du temps dans lequel Dieu t'appelle. Ne manque pas ce temps-là. Vous savez, Israël, le problème d'Israël, c'est qu'ils ont manqué leur temps. Quand tu étudies le livre d'Hébreu, tu vois comment on te parle qu'Israël, quand ils sont arrivés à la terre promise, Dieu leur avait ouvert une grande porte. Ils allaient obtenir une grande victoire. Mais ils ont manqué leur temps. Ils n'ont pas cru en Dieu. Ils sont retournés dans le désert, passé 40 ans.
à tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'ils avaient manqué leur opportunité. Vous savez, certaines fois, nous n'allons pas obtenir ce que Dieu a prévu pour nous parce que nous ne saisissons pas l'opportunité. Certaines fois, nous allons être distraits à regarder à gauche et à droite alors que réellement, c'était le temps de faire quelque chose de spécial dans le Seigneur. Vous savez, dans Hébreux 5, verset 12, Paul réprimande les fidèles de l'Église. Et il leur dit, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous devriez être des maîtres, vous devriez être ceux qui enseignent les autres, vous devriez être ceux-là qui ont une habilité dans la connaissance de la parole de Dieu, parce que vous devriez déjà avoir étudié la parole et passer du temps dans la présence du Seigneur. » Il dit, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et souvent, ça va être frustrant. C'est souvent, tu vas voir quelqu'un qui devait déjà être un certain niveau dans la connaissance de la parole de Dieu. Mais il va encore te poser des questions triviales en ce qui concerne la nouvelle naissance, en ce qui concerne la doctrine d'un seul Dieu. Si réellement il avait pris le temps d'étudier la parole, de lire la parole, de passer du temps dans la prière, il serait à un autre endroit. Mais c'est parce qu'il n'a pas été conscient du temps. Amen. C'est important d'être conscient du temps. C'est important de regarder à quelle heure on se trouve. Écoute, à quelle heure te trouves-tu dans ta marche avec le Seigneur aujourd'hui? Où est-ce que tu devrais être par rapport à où est-ce que tu es? Amen. Quelqu'un doit se poser cette question. C'est pensez-y un peu. Où est-ce que tu devrais être? Est-ce que là, présentement, tu devrais déjà être en train d'enseigner quelqu'un la parole de Dieu? Est-ce que là, présentement, tu devrais déjà être en train de t'occuper peut-être d'un nouveau converti? Vous savez, on a pris des engagements en début d'année. Et on a dit que cette année, je vais gagner une âme. Cette année, je vais enseigner une étude publique. Vous savez, nous sommes à la fin du mois de mars. Ça veut dire qu'un quart de l'année est déjà passé. Amen. Alors, où devrions-nous nous trouver présentement? Vous savez, il y a des obstacles qui vont nous pousser à manquer l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà manqué son avion? Ouh, ça fait mal. Ça fait mal à la tête, ça fait mal aux poches. Vous savez, quand on manque un avion, ça va te coûter cher. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un que quand tu manques une opportunité spirituelle, ça te coûte encore plus cher. Parce que quand Dieu prépare quelque chose pour toi, quand tu le manques, pour avoir encore cette opportunité, souvent on pense que ce que j'ai aujourd'hui dans le spirituel, ce qui m'est proposé par Dieu aujourd'hui, ce que Dieu me donne, je vais toujours l'avoir. Mais ça, c'est un mensonge. Ce que Dieu te donne, si tu ne le prends pas, il va l'enlever. Tu peux voir ce principe partout dans la parole de Dieu. Donc c'est important d'être conscient du temps. C'est important de réaliser ce que Dieu est en train de faire dans ta vie aujourd'hui. L'opportunité qu'il te donne. Écoute, Dieu aujourd'hui veut te guérir. Il veut te guérir. Juste ouvre-toi au Seigneur et donne-toi entièrement à lui et il va te guérir. Elle ne dit pas, oh la guérison sera toujours disponible. Non, elle ne sera pas toujours disponible. Mais quand tu regardes Jésus, il était conscient du temps. Vraiment, toute sa marche, c'était en fonction de l'heure, c'était en fonction du temps, en fonction de la circonstance. Dans Luc chapitre 9, verset 51, on nous dit, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Et en fait, pendant toute sa marche, tu regardes, il a passé 3 ans et demi de ministère. Mais pendant tous les 3 ans et demi, il était conscient du temps. Au début de son ministère, il allait faire certaines choses. Au milieu, il allait faire d'autres choses. Mais quand le temps est arrivé, où il savait qu'il devait bientôt être crucifié, là maintenant, il a commencé à agir d'une manière également différente. Et je vais dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus revient bientôt. Amen.
Le Seigneur revient bientôt. Vous savez, dans peu de temps, nous allons entendre cette trompette sonner. Souvent, on regarde, on a l'impression qu'on a encore 10 ans devant nous. Tu n'as pas la garantie de ces 10 ans. Tu n'as même pas la garantie d'une seule année. Parce que le Seigneur revient bientôt. Et nous devons être conscients de son retour. Mais Jésus, quand son temps est arrivé, quand il a réalisé que bientôt c'était le moment de la crucifixion, regardez ce qu'il a fait. On dit, Jésus prit la résolution, que quelqu'un dise résolution. La résolution de se rendre à Jérusalem. La résolution, ça veut dire qu'il s'est décidé. Jésus s'est décidé que maintenant je vais aller à Jérusalem. Vous savez, je veux dire à quelqu'un ceci ce matin. Si tu vas aller à Jérusalem, ça va prendre que tu te décides. Amen. C'est si tu vas aller au ciel, ça va prendre que tu te décides. Le pasteur ne peut pas se décider pour toi. Ton frère ne peut pas se décider pour toi. Même Dieu ne peut pas se décider pour toi. Le seul qui doit prendre cette décision, c'est toi-même. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Donc le choix te revient. Si tu vas servir le Seigneur, c'est parce que tu vas prendre la résolution de servir le Seigneur. Et on dit que Jésus a pris la résolution de se rendre à Jérusalem. Lui s'est décidé de cela. Il n'y avait rien dès ce moment-là qui allait l'empêcher de se rendre à Jérusalem. Amen. Et là maintenant, regardez ce qui se passe. Parce qu'il va y avoir des obstacles. Amen. Verset 52, il envoie devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. On dit qu'il envoie ses serviteurs aller me chercher un lieu, peut-être une chambre ou bien un logement pour que je puisse passer la nuit. Après, on va continuer la route sur Jérusalem. Mais la Bible dit que les Samaritains ont refusé de le recevoir. Vous savez, les Samaritains, en ce moment-là, ils avaient des problèmes avec les Juifs. Les Juifs n'aimaient pas les Samaritains et les Samaritains n'aimaient pas les Juifs. Et là, quand ils ont appris que ce monsieur-là allait à Jérusalem, là, automatiquement, il est devenu leur ennemi. Et je vais dire à quelqu'un, écoute, le fait que tu te décides à servir le Seigneur va te créer des ennemis. C'est quand tu te décides que tu vas marcher selon les voies de Dieu. Même si tu es gentil avec tout le monde, il y a des gens qui vont te détester. Il y a des gens qui vont mal parler contre toi. Il y a des gens qui vont te calomnier. Mais je veux te dire ceci, ce n'est pas grave. Amen. Amen. Ce n'est pas grave parce que je vais à Jérusalem. Amen. Il y a une place qui m'attend dans les cieux. Et peu importe ce qui arrive, je vais continuer à aller. Et on dit que les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Wow. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre bourg. Vous savez, souvent, tu vas même voir cela. Il y a des enfants de Dieu qui vont prier des prières de malédiction contre leurs frères et leurs sœurs. Je me rappelle une sœur, une fois, qui était venue me voir. Et elle me dit, pasteur, je regarde dans la parole de Dieu. Je vois dans le livre de Psaume comment David prie contre ses ennemis. Et pasteur, souvent, je prie pour cela. J'invoque cela contre mes ennemis. Est-ce que c'est correct? Elle ne savait pas de quel esprit les amis. Parce que Dieu n'est pas dans ces affaires-là. Écoute, quand tu maudis ton frère, ça vient du diable. Peu importe ce qu'il t'a fait, ça vient du diable. C'est quand tu commences à prier pour le mal de ton frère, pour que l'erreur qu'il a fait retombe sur sa tête, ça vient du diable. Parce que Dieu est là pour sauver. Dieu est là pour guérir, Dieu est là pour délivrer. Peu importe ce par quoi il ou bien elle passe, tu dois prier pour que Dieu l'aide. Et non que Dieu la maudisse. Et le Seigneur lui dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Et là, on dit que quand c'est arrivé, regardez bien le verset, la fin du verset 56, et ils allaient dans un autre cours. Vous savez, le premier obstacle vraiment,
qui va vouloir t'empêcher d'avancer dans le Seigneur, de faire ce que Dieu t'a appelé de faire, c'est l'offense. Que tout le monde dise offense. Vous savez, ici, Jésus aurait pu être offensé. Ils ne m'ont pas reçu alors que je ne leur ai rien fait. En fait, quand je vais même aller mourir à la croix, c'est également pour le salut de leur péché, pour leur salut. Je fais ces choses-là pour eux. Et très souvent, l'offense va enlever beaucoup de personnes de la maison de Dieu. C'est, si on commence à compter le nombre de personnes qui ont abandonné l'église parce qu'un frère l'a offensé, une sœur l'a offensé, une sœur lui a dit quelque chose qui n'était pas agréable, ou bien un regard que la personne n'a pas apprécié. Et écoute, quand tu viens dans la maison de Dieu, est-ce que tu viens pour ton frère ou bien tu viens pour Jésus? Amen. 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 Quand tu viens, c'est pour Jésus. Amen. Si il t'a mal parlé, ce n'est pas grave, Jésus ne t'a pas mal parlé. Amen. Si il t'a mal regardé, ou bien elle t'a mal regardé, ce n'est pas grave, Jésus ne t'a pas mal regardé. Écoute, quand tu viens, viens pour le Seigneur Jésus. Et ne laisse pas l'offense voler la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est Jésus n'a pas permis que l'offense le détourne de sa voie de Jérusalem. Et je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas juste parce que je suis pasteur. Écoute, tu peux faire tout ce que tu veux, mais je ne veux pas perdre mon salut à cause de toi. Amen. Tu peux m'insulter, me calomnier, dire n'importe quoi sur mon dos, mais je vais servir le Seigneur. Je vais venir dans la maison de Dieu, je vais louer le Seigneur, je vais acclamer le Seigneur. Je vais le célébrer de tout mon cœur et de toute mon âme, parce que mon adoration va vers le Seigneur. Ça va vers le Seigneur. Le Seigneur va t'aider avec ton attitude. En fait, je vais même prier pour toi. Parce que Jésus a dit de prier pour nos ennemis. Amen. Mais tu sais, je ne vais pas abandonner le Seigneur. Je vais continuer ma marche vers Jérusalem. Amen. Écoute, peut-être avant j'étais assis à côté de toi. Mais peut-être je vais me déplacer, aller m'asseoir un peu plus loin à cause de ton mauvais esprit. Mais je vais servir le Seigneur. Amen. On dit que Jésus est parti d'un autre bout. Amen. Il ne s'est pas frustré. Il a dressé une tente devant leur maison. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de te battre pour ces choses. Déplace-toi de trois bancs. Et écoute, quand le Seigneur va l'arranger, après tu vas te rapprocher. Amen. Amen. Par la suite, regardez. Là, il continue sa marche, verset 57. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Waouh, ça c'est beaucoup de zèle. C'est se lève et crie à haute voix devant tout le monde. Seigneur, je vais te suivre partout où tu vas. Mais regardez la réponse de Jésus. Verset 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. C'est quand tu entends la déclaration de cet homme, c'est, pour toi ça semble une déclaration noble. Mais Jésus était capable de sonder son cœur. Et Jésus a vu dans son cœur qu'il n'était pas prêt à délaisser le confort. Parce que ce que Jésus adresse directement, c'est le confort. Il dit qu'il y a les renards, ils ont des tanières, un lieu pour être confortable. Les oiseaux du ciel, ils ont un nid. Mais laisse-moi te dire que si tu me suis, tu ne vas pas être confortable. Et la deuxième chose, c'est le confort. La deuxième chose qui va souvent nous sortir de notre voie, ça va être le confort. Je ne sais pas d'où est venue l'idée, mais nous avons cette tendance de penser que servir Dieu, ça va être confortable. Qu'il suffit juste que je vienne dans la maison de Dieu, que je commence à servir Dieu. Et toutes mes factures vont être payées. Et il y aura toujours l'essence dans ma voiture, la nourriture dans mon frigo. Tous mes enfants vont être obéissants. Tout va bien se passer. Et je vais arriver dans la maison de Dieu. Tout le monde va m'embrasser. Vous savez, servir Dieu, il y aura de l'inconfort. Il a dit, ils m'ont traité de Belzébul, ils vont vous traiter. Ils m'ont combattu, ils vont vous combattre. Paul amène même ça d'une autre dimension. Il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc, servir Dieu va amener souvent de l'inconfort. Servir Dieu, écoute, souvent tu vas avoir des problèmes, souvent tu vas faire face à des difficultés, mais que ce ne soit pas une occasion de chute pour toi. Continue à servir le Seigneur. Jésus dit par la suite que celui qui veut me suivre se renie lui-même, prenne sa croix, la porte et me suive. C'est se renier soi-même, ça veut dire oublier ton propre cas,
te mettre de côté, ne pas considérer ton confort personnel. Juste décider de suivre le Seigneur. Vous savez, les chrétiens qui vont grandir, ce sont les chrétiens qui sont confortables dans l'inconfort. Amen. Tu dois être confortable dans l'inconfort. C'est souvent que tu ne te sens pas comme louer le Seigneur. Mais écoute, je suis confortable dans ma louange. Mon corps peut-être ne le veut pas, mais je suis très confortable dans mon inconfort. Parce que souvent, tu n'as pas envie d'aller faire une étude biblique. Mais tu te lèves, tu prends ta voiture. Je suis très confortable dans mon inconfort. Et je vais aller servir le Seigneur. Souvent, tu n'as pas envie d'évangéliser. Tu ne veux pas parler à cette personne que tu vois. Mais je suis très confortable dans mon inconfort. Je vais le faire. Je vais le faire parce que je vais à Jérusalem. Et je vais amener certaines personnes avec moi. Amen. Et je dois être confortable. Je ne peux pas laisser l'inconfort m'empêcher de servir le Seigneur. Je ne peux pas le laisser parce que je vais quelque part. J'ai un rendez-vous avec Dieu. Il y a une place à Jérusalem pour moi. Et verset 59. Il dit à un autre, suis-moi. Wow. L'autre s'était levé lui-même. Il a dit, je veux te suivre. Mais celui-ci, c'est Jésus qui pointe vers lui. C'est comme s'il appelait pour qu'il soit son 13e apôtre. Il dit, suis-moi. Il a entendu exactement la même chose que Pierre avait entendu. Ou bien que Lévi avait entendu. Suis-moi. Et il répondit, regardez sa réponse. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. C'est ça, ça sonne encore très très noble. Mais Jésus sondait le cœur. Regardez ce qu'il répond. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Ok, je vais d'abord dire ceci. Jésus n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir un enterrement. Amen. Jésus n'est pas en train de dire que les enterrements, c'est non chrétien. Ce n'est pas ça qu'il dit. Mais ce qu'il est en train d'adresser ici, il adresse l'état du cœur de cette personne. Parce que cette personne-là, il était plus préoccupé par les soucis de la vie que par l'avancement du royaume de Dieu. Que tout le monde dit soucis. C'est la troisième chose vraiment qui va être un obstacle dans la marche, ça va être les soucis. On se soucie de beaucoup de choses. On se soucie des choses temporaires plus que des choses éternelles. On est en train de l'appeler d'aller sauver ceux qui sont vivants. Mais lui va aller s'occuper de celui qui est mort. Vous savez, il est en train de plus donner de l'énergie dans l'enterrement de ceux-là qui sont morts que pour le futur enterrement de ceux-là qui sont vivants. C'est ceux-là qui sont morts. On ne peut plus rien pour eux. Amen. Parce que dès que tu meurs, ben, ton jugement va être selon l'état dans lequel tu es mort. C'est cette doctrine qu'ils vont inventer avec les conciles et tout cela, que quand quelqu'un meurt, il va dans le purgatoire et on peut donner de l'argent au prêtre et il va prier pour cette personne, pour que cette personne quitte de l'enfer vers le paradis. Ça ne vient pas de la Bible. Quand tu meurs, c'est fini. Tu vas à l'endroit où tu dois aller. C'est pourquoi tu dois servir le Seigneur pendant que tu es vivant. Amen. Tu dois prendre la décision aujourd'hui même de servir le Seigneur. Parce qu'après ta mort, on ne peut plus rien faire pour toi. Et Jésus est en train de pointer ça et dit, écoute, tu te soucies plus de l'enterrement de ces personnes-là qui sont mortes que de ces personnes-là qui sont en train de vivre. Et même plus loin, tu te soucies plus de leur enterrement que de ton enterrement. Parce qu'un jour, tu vas mourir. Prends soin de ton âme aujourd'hui. Et son problème, vraiment, c'était les soucis. Vous savez, on peut remplir notre vie de choses temporaires qui font du sens. Ce n'est pas que ce sont des choses qui ne font pas du sens. L'enterrement, ça faisait du sens. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui font, il y a beaucoup de divertissements qui font du sens. Il y a beaucoup de... vous savez, on arrive à un moment où le diable veut s'assurer qu'on reste occupé pour ne pas avoir le temps du Seigneur. Et très souvent, nous pouvons être tellement occupés, même à faire les choses pour le royaume de Dieu, qu'on manque même ce que Dieu veut vraiment faire avec nous. Je vais être un peu prudent avec cela, mais je veux juste te dire à quelqu'un, tu dois être conscient du temps que tu as, et tu dois être conscient de l'appel que Dieu a dans ta vie. Amen.
Et tu dois donner le plus de temps d'abord à l'appel que Dieu a dans ta vie. C'est, il y a beaucoup de choses qui vont s'ajouter à côté. Mais ces autres choses qui s'ajoutent, ça doit prendre la deuxième place. Si tu as le temps, tu le fais. Si tu ne l'as pas, tu ne le fais pas. Mais assure-toi que ce que tu es appelé à faire, que tu le mettes en premier. Et Jésus ici, il était en train d'aller à Jérusalem. C'est, il aurait pu prendre le temps de commencer à expliquer à cet homme-là et commencer à essayer de le convertir, de l'amener à gauche et à droite. Mais il a dit, écoute, j'ai un rendez-vous à Jérusalem. Et à cause de ce qu'il avait à faire là présentement, il n'avait pas le temps pour n'importe quoi. Amen. Parce que si tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire, ben, personne d'autre ne va le faire. Et tout le monde va se trouver dans les troubles. Et il s'occupait des soucis de la vie. Le Seigneur dit, laisse les morts en ce milieu mort. Laisse les choses temporaires aux gens qui vivent une vie temporaire. Occupe-toi des choses éternelles. Amen. Amen. Verset 61. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur. Mais, que tout le monde dise mais. C'est quand tu veux servir le Seigneur avec les conditions. Il y a des gens qui veulent souvent servir le Seigneur. Oh Seigneur, si tu me donnes ceci, je vais te servir. Écoute, Dieu t'a déjà donné la vie. Il t'a donné le souffle de vie. Amen. Tu respires son air gratuitement. C'est assez pour que tu le serves. Amen. Amen. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Ça encore, ça semble noble. Seigneur, je vais te suivre, c'est sûr. Mais juste donne-moi quelques jours. Je vais rentrer chez moi, régler les affaires avec la famille. Tout ça. Mais le Seigneur sonde le cœur et il voit le problème de cet homme. Jésus lui répondit au verset 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Vous savez, la charrue, c'était ce qu'ils utilisaient pour labourer leur champ. Et il y allait avoir des taureaux et la charrue. Et quelqu'un allait tenir la charrue en avançant. C'est un peu comme si tu conduisais une voiture. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de conduire sur l'autoroute pour regarder en arrière? Je crois que ça, c'est un peu plus imagé. On comprend mieux de quoi on parle. Tu vas avoir un accident. Amen. Vous savez, nous n'avons pas été conçus pour marcher en regardant en arrière. On est conçus pour marcher en regardant en avant. Tous ceux qui regardent en arrière en marchant vont frapper un mur. C'est pourquoi quand tu viens servir le Seigneur, arrête de regarder dans le passé. Arrête de regarder ce que tu as laissé dans le monde. Arrête de regarder ce que tu aurais pu être. S'il y a certaines personnes qui gardent leurs photos de quand ils étaient dans le monde, et souvent ils vont regarder cela comme « Waouh, j'étais belle ». Écoute, si tu étais vraiment belle, tu allais rester comme telle. Ouf, mince. Il y a des gens qui vont jeter leurs photos. Parce que tu as le meilleur aujourd'hui. Dieu a fait de toi quelqu'un de meilleur que ce qui était avant. Ce que tu as aujourd'hui dans le Seigneur vaut beaucoup plus que tout ce que tu avais dans le passé. C'est Paul dit, oubliant les choses qui sont en arrière, mais me portant vers les choses qui sont en avant, je cours pour obtenir le but. C'est si tu es en train de courir en regardant toujours en arrière, tu vas perdre la course. C'est parce qu'il y a des gens qui ont fait la course, peut-être la course de vitesse. Quand tu fais la course de vitesse, tu gardes tes yeux vers l'avant. Tu gardes tes yeux. Si tu es toujours en train de courir, en train de regarder, tu perds de l'énergie. Et les autres vont te dépasser. Et je veux dire à quelqu'un, écoute, quand tu sers le Seigneur et oublie le passé. Le passé est passé. Dieu a un futur pour toi. Dieu a des projets pour ta vie. Dieu a de grandes choses pour toi. Arrête de regarder en arrière. Jésus dit que si quelqu'un fait cela et regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume. Il ne va pas y arriver. Laisse le passé au passé. Et la quatrième chose, c'est le passé. Vous savez, ce sont ces choses-là qui vont souvent nous détourner de nos buts. Ce sont des distractions, là, l'offense, la recherche du confort, les soucis de la vie, l'attachement au passé. C'est, tu dois être conscient que tu ne dois pas t'attarder sur ces choses. Parce que ces choses-là vont te détourner de ta voie. Dans Jean chapitre 11, verset 9, qu'on a lu à l'introduction, Jésus leur répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Ici, il fait vraiment l'illustration. C'est en ce temps-là, il n'avait pas les lampadaires comme nous avons aujourd'hui. Et si tu marchais pendant le jour, tu allais être
à l'aise, tu allais vite marcher, tu allais mieux marcher en voyant où tu allais. Et tu allais être content, tu n'allais pas avoir de raison de te plaindre. Mais si tu essayais de faire cela pendant la nuit, ben, tu allais broncher, tu allais beaucoup te plaindre. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Et peut-être tu allais te frapper à gauche et à droite. Et quand Jésus utilise cette illustration, c'est vraiment pour nous faire comprendre que dans notre marche spirituelle, il y a un temps de jour, il y a un temps de nuit. C'est aujourd'hui, alors que tu sers le Seigneur, tu es dans un temps de jour. Aujourd'hui, alors que tu es dans la maison de Dieu, tu es dans un temps de jour. Dieu est ta lumière, il est en train de t'éclairer. Et ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de repousser les choses à demain. Ce n'est pas le moment de se dire, écoute, j'ai beaucoup de temps devant moi. Parce que Jésus dit qu'il n'y a que 12 heures. Il n'y a qu'une certaine plage d'horaire. Il n'y a qu'une certaine durée dans laquelle tu as l'opportunité de faire ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et tu dois saisir cette opportunité. Parce que si tu ne la saisis pas, un temps de nuit va venir et là tu vas perdre l'opportunité. Vous savez, surtout nous qui avons des enfants, très souvent je vois cela et je suis vraiment attristé dans mon cœur. Parce que quand nous avons encore ces enfants qui sont à ce bas âge, ça c'est vraiment un temps où nous devons les inculquer les voies de Dieu. Ça c'est un moment où nous devons prier avec eux. Nous devons leur enseigner la parole de Dieu. Nous devons nous assurer qu'ils soient toujours à l'école du dimanche, qu'ils ne manquent jamais un service de l'école du dimanche. Amen. Nous devons nous assurer de leur montrer les choses de Dieu sont importantes dans leur vie. Amen. Parce qu'il va arriver un temps où on n'aura plus cette influence. Il va arriver un temps où tu ne pourras plus dire grand chose dans sa vie. Et si tu n'as pas profité du temps de jour, et ton enfant va se trouver dans l'alcool, dans la drogue, dans la pornographie et dans toutes ces choses qu'on entend dans les écoles dehors. Donc travaille pendant le jour. Travaille alors que tu as encore l'opportunité de le faire. Et aussi bien que ça s'applique dans la vie des enfants, ça s'applique dans nos vies personnelles. Écoute, alors que Dieu nous donne une opportunité aujourd'hui, travaillons. Soyons sincères dans les choses de Dieu. Soyons fidèles dans la maison de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Prions. Assurons-nous de bâtir notre vie spirituelle. Parce que tel est le temps du jour. Très souvent, parce que quand tu regardes vraiment les choses de Dieu, le royaume de Dieu, ce n'est pas saison. Il va avoir une saison d'abondance. Une saison de repos. Mais après cela, il y aura une saison de persécution. Mais ceux qui ont été fidèles et qui ont été diligents pendant la saison d'abondance, quand la saison de persécution va se présenter, ils vont être forts et solides. Amen. Mais par contre, ceux qui ont dormi pendant le jour, pendant la saison d'abondance, quand la persécution va arriver, ils ne vont pas tenir. Vous savez, tu regardes, tu te dis que tout va bien présentement, mais tu dois te préparer. Tu dois grandir dans les choses de Dieu. C'est très important. Nous devons être conscients du temps, conscients de l'heure. Et que nous devons être conscients que nous devons grandir. À quel endroit est-ce que je devrais me trouver présentement dans le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu devrait être en train de faire de moi présentement? Dans quelle dimension devrait-il être en train de m'utiliser? Parce que nous devons travailler pendant le jour. Notre problème très souvent, c'est que nous attendons d'habitude les dernières heures de la journée avant de travailler. Vous savez, je ne sais pas si, je sais qu'il y a, on n'a même pas besoin de lever la main, mais nous avons cette tendance naturelle, attendre le dernier moment. Et certains vont dire que je suis plus efficace si on me donne le travail dans les dernières heures avant de le faire. Peut-être que tu es plus efficace, mais il te manque très peu de temps. Et si tu fais une erreur, tu n'auras pas l'opportunité de corriger ton erreur. Tu sais, ce n'est pas parce que ton corps se sent plus confortable de faire ces choses juste à la dernière minute que ça veut dire que tu dois te permettre de le faire. Parce que dans ce cas-là, tu es en position, d'une position très dangereuse. Tu dois travailler pendant le jour. Et qu'on n'attend pas, quand on arrive à la 11e heure avant de travailler, commence à travailler dès la première heure. Commence à te donner à cela dès la deuxième heure. Investis-toi dans les choses de Dieu. Donne-toi tout entier à cela. Et
dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, la Bible dit, car il dit, au temps favorable j'étais exaucé, au jour du salut j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Parce que Dieu vraiment, il a un temps, il a un jour, il a une période, il a une heure. Et nous devons saisir cette opportunité. Amen. Éphésiens 5, verset 15. Paul dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Que tout le monde dit circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. C'est quoi circonspection? Circonspection, c'est comme si tu marchais dans un parc à chiens et qu'il y a les excréments de chiens par terre. Quelqu'un qui marche avec circonspection, c'est quelqu'un qui regarde où il marche et qui met son pied où il doit mettre pour éviter ce qu'il doit éviter. Et Paul nous dit ici qu'on doit marcher avec circonspection. C'est quand tu marches, sois conscient du temps. Regarde l'heure spirituelle à laquelle tu te trouves. Réalise que tu n'as pas beaucoup de temps. Et regardez le verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est que quand tu marches comme ça, tu dois racheter le temps. Écoute, réalise que tu n'as pas beaucoup de temps. Verset 16. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. On va se lever tous ensemble. Je veux juste te dire à quelqu'un aujourd'hui, sois conscient du temps. Réalise que tu as une grande opportunité devant toi aujourd'hui. Réalise que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Réalise que Dieu veut sauver ta famille. Dieu veut te guérir. Dieu veut te délivrer. C'est ce temps que tu vois, ce temps de repos spirituel. C'est un temps où Dieu veut travailler dans ta vie. Investis-toi dans les choses du Seigneur. Sois fidèle dans les choses du Seigneur. C'est le jour. C'est le jour. Travaille pendant le jour. Dans Luc chapitre 19, verset 41, la Bible dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi au jour, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées. C'est Jésus a regardé et on dit qu'il a pleuré. Il y a 2 endroits dans la Bible où on nous dit que Jésus a pleuré. Le premier, c'est à la mort de Lazare. Et quand Jésus a pleuré à la mort de Lazare, certains disent qu'il a pleuré à cause de leur incrédulité. Mais moi, j'ai des doutes par rapport à ça. Je crois qu'il a juste pleuré par compassion. C'est tout le monde pleurait et il a pleuré parce que Jésus était rempli de compassion. Mais la deuxième fois, c'est ici. Et on nous dit que quand il approchait Jérusalem, et ça c'est vraiment alors qu'il s'approche de la fin de son ministère. On dit comme il approchait la ville, il a commencé à pleurer. Et vous savez la raison pourquoi Jésus pleurait. Il dit c'est parce qu'ils sont en train de manquer le jour. Il manque le jour de leur visitation. Il manque l'opportunité qui est dressée devant eux. Parce que quand Jésus regardait Israël en ce temps-là, quand il regardait en arrière, il réalisait qu'ils ont tué beaucoup de prophètes. C'est qu'il y avait des gens qui leur étaient envoyés pour leur annoncer, ainsi parle l'Éternel. Ils ont tué prophète après prophète parce qu'ils ne voulaient pas entendre ce qui leur était dit. Et aujourd'hui encore, ça arrive, alors que la parole est prêchée, tu vas voir, peut-être pas dans le physique, mais dans le spirituel, tu vas ressentir une résistance par rapport à certaines choses qui sont enseignées. Mais je veux dire à quelqu'un, écoute, si tu entends ces choses, si tu entends sur la sanctification, si tu entends sur la séparation du monde, c'est parce que Dieu veut te rapprocher de lui. Saisis-toi de cette opportunité. Saisis-toi du fait que Dieu est intéressé à toi. Mais ils ont tué les prophètes. Il a regardé à l'intérieur. Et Jésus a pleuré parce qu'il a vu que à l'intérieur, leur cœur était rempli d'iniquité et d'hypocrisie. Il a regardé tout autour. Il a vu avant. Et en avant, il a vu le jugement de Dieu. Parce qu'au verset 43, il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi.
Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est Jésus qui dit, écoute, parce que tu n'as pas saisi l'opportunité, la destruction va venir sur toi. Vous savez, il y a réellement un temps du salut. Il y a un temps du salut. Il y a une heure acceptable. Et la Bible dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Écoute, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Je ne sais pas ce à quoi Dieu t'appelle. Je ne sais pas ce qu'il a mis dans ton cœur. Mais je veux te dire ce matin que si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, alors que tu entends encore le prédicateur te prêcher ce message, obéis. Parce qu'il y a plusieurs qui sont venus, ils ont entendu le message, ils se sont dit je vais le faire plus tard. Mais ils sont partis de la maison de Dieu et ils n'ont plus jamais eu cette opportunité. Alors que tu entends le Seigneur qui t'appelle à vivre une vie de sanctification, obéis. Parce qu'il y a plusieurs qui sont venus, ils ont entendu le message, ils ont résisté, ils se sont éloignés. Mais on ne les a plus jamais revus. Parce que nous devons nous saisir de notre opportunité. Nous devons nous saisir. Et on doit être conscient de l'heure. Alors je vais vous poser la question ce matin. À quelle heure te trouves-tu dans ta vie spirituelle? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Qu'est-ce que Dieu te demande d'abandonner? Alléluia. On va prendre le temps de s'avancer.